Quelle délicieuse soirée. Carlotta est une excellente cuisinière, et elle a bien d'autres talents. Quel dommage qu'elle passe son temps à réfréner le feu qui l'anime. La journée aurait été parfaite si Farengar ne m'avait pas pris pour un con. Ah, en parlant d'alchimie, je possède quelques sels de givre destinées à Arcadia. Elle m'a demandé de lui en procurer pour l'une de ses potions. Auriez-vous la gentillesse de les lui livrer de ma part? Je suis sûr qu'Arcadia saura vous en remercier. En plus de lui ramener une tablette de dragon, je dois faire le coursier pour Monsieur Farengar. Et pour finir, il n'a pas voulu répondre à mes questions sur les gemmes spirituelles. Bon, je suis très occupé et vos questions idiotes commencent à me courir sur le haricot. Bonne journée. Heureusement que Carlotta m'a mis de bonne humeur. Gardons les pieds nus, ça m'évitera de la réveiller. Elle et sa môme qui dort à l'étage du dessous. Elle a le sommeil profond, c'est le moins qu'on puisse dire. Oh, une pomme. Je me sers. Toutes ces acrobaties m'ont donné faim. Je remets mes bottes et ensuite, place à l'action. Il est temps d'aller faire un tour du côté de la maison des guerriers nés. Les Gristoisons ont peut-être raison, mais si Thorald est réellement en vie, ça ne veut pas dire qu'il le restera éternellement pour autant. Le butin de l'auberge de Rivebois va enfin m'être utile. Avec ça, aucun risque que l'on me reconnaisse. Une robe grise, une cagoule miteuse, et me voilà sacré voleur de pacotille. Si Ilvendis me voyait. L'obscurité sera une alliée précieuse pour ce qui va suivre. C'est con tout de même, tous ces hommes qui veulent épouser Carlotta, repoussés les uns après les autres. Alors qu'il suffisait de lui proposer un plan cul. Voyons voir. Une serrure toute simple. Les guerriers nés ont pris la confiance. C'était mal joué de leur part. Maintenant, ma priorité... Trouver la preuve pour Avulstein sans me faire prendre. Oh, et m'en mettre plein les fouilles au passage. Sans le rôti de porc et les pommes de terre. Qui est-ce qui ronfle comme ça? D'ici, on dirait que ça vient de la rombière. Évitons de réveiller ce beau petit couple. Eh merde, la chambre du marmot. Je doute d'y trouver la moindre preuve. Oh, un grenat. Et des vêtements raffinés. Ça se revend bien sur le marché noir. Si on connaît un honnête receleur. Taper dans les économies d'un enfant. Je devrais avoir honte. Oh oui, je devrais. J'ai dû oublier ma conscience à Cyrodiil.
Ils sèment des septimes n'importe où dans cette baraque. Encore des fringues de bourgeois. Des lanières de cuir. Madame doit prendre cher certains soirs. Oh, la chambre du patriarche. Avec un peu de chance, il est sourd comme un pot. Du poison, hein? Je vais t'éviter la tentation de t'en servir contre les grises toisons. J'ai bien fait de venir. Le vieux est pété de thunes. Par contre, aucune trace de la preuve. C'est bien ma veine. Je vais redescendre au rez-de-chaussée. Il ne me reste plus que cette pièce à fouiller. Ça me fait passer très très près de la couche. J'espère que je ne vais pas me faire choper. Potions, lingots d'argent. J'en aurais plus l'utilité qu'eux. Il faut croire que les biens les plus précieux sont cachés derrière cette porte. Ils doivent avoir la clé sur eux, mais leur faire les poches si près du but, c'est risqué. Allez, Galen, montre ce que tu sais faire à ces trous merde. Allez! Putain! Troisième crochet. À croire que la serrure est maudite. Si j'en casse un autre, je défonce la porte à coups de hache. Eh ben voilà, quand tu veux! Rien de bien intéressant sur ces étagères. Ah, un bureau. Et une missive impériale qui prouve que Thorald est en vie. Mission accomplie. Il est retenu prisonnier au donjon de Norgay. Putain, ce n'est pas la porte d'à côté. J'espère qu'Avulstein ne va pas me demander de délivrer son crétin de frère. Encore des lingots pour Bibi. Et je crois que je vais emporter ses bottes aussi. Juste pour faire chier le taulier. Oh, j'ai failli oublier ce somptueux collier d'argent. Ça ne se fait pas de laisser de tels bijoux sur place. Mon honneur de voleur est en jeu, après tout. Je reviendrai bien faire les poches des occupants plus tard. Maintenant que je connais le coin, ça sera d'autant plus facile. Du bon boulot. Voyons. Personne à gauche, personne à droite. La voie est libre.
La rue est déserte. Parfait. Évitons d'attirer l'attention du garde. C'est d'une facilité. Maintenant, je sais exactement où aller. Enfin, il y a peu de chances que les gardes me laissent entrer dans un tel accoutrement. Ah, c'est mieux. Revoilà Galen Valdis, le bras droit du sorcier de cour. Essayons de paraître décontractés. Bonsoir. Ce n'est pas comme si j'avais la moitié du patrimoine des guerriers nés sur moi. Tout le monde dort à cette heure, même les gardes. Enfin, ils doivent dormir debout. Bon, où est-ce que tu caches ton stock de gemmes spirituelles, Farengar? Ton or et tes bijoux, ça marche aussi. Poison, potion. Oh, une gemme pleine. Je n'en demandais pas tant. Viens là, toi. Qu'est-ce que tu me veux, le matou ? Voilà donc où tu dors, arrogant magicien. Et voilà ta cachette. J'en connais un qui ne va pas se réveiller de bonne humeur demain. Je n'ai aucun remords. Il lui aurait suffi de me faire confiance, de me confier ses gemmes et je les lui aurais remplies de bon cœur. Contre rémunération, il va sans dire. L'épisode 9 des Chroniques du Dieu Loup est terminé. Merci de l'avoir regardé. J'espère que vous avez apprécié cet épisode en mode roublard. Galen n'est pas seulement un bourrin, vous aurez l'occasion de le découvrir avec le temps, mais comme nous sommes encore loin de Faillaise, je tenais à vous donner un aperçu. Vous pouvez vous abonner et si le programme vous plaît, le partager à vos amis, fans d'Elder Scrolls, de RPG ou d'Heroic Fantasy. Hein ? Ou d'humour de merde ? Ouais aussi. Vous n'êtes pas sans savoir que Bethesda a annoncé qu'il travaillait sur un Elder Scrolls 6 qui devrait normalement sortir approximativement dans 5 à 10 ans. Donc voilà, Skyrim a encore de beaux jours devant lui et ça tombe bien, je ne suis qu'à Blancherive. Je vous laisse devant le teaser de ce nouveau projet de Bethesda qui nous dévoile de magnifiques images de Tamriel. Ou de l'Irlande, on ne sait pas trop pour l'instant. Bon visionnage.